Salut à tous, c'est Pierre pour le Monde de l'Umpi. Aujourd'hui, je vous emmène en brocante avec moi. On va voir si on trouve des trucs intéressants. Et puis voilà, je veux pas y mettre très très cher, donc je suis assez dur en affaires. Donc quand je vois que les prix sont trop élevés, de toute façon, je vais pas insister. Voilà, je vais pas chercher à vraiment débattre sur les tarifs. On est une région qui a des prix assez chers sur beaucoup de choses. Donc en brocante en l'occurrence. Donc voilà. Allez-vous, on y va, c'est parti. Bonjour monsieur, vous le vendez combien? Bien, d'accord, raté. 13 euros. 13 euros, ok. Tu vois, il fait pas la brocante, mais bon. Ouais, mais ça va être un bon vendeur. Non, ok, je sais pas, merci. Bonjour, vous les vendez combien les jeux 5 euros négociables. PS, ok. T'as arrêté à 5 euros. Ouais, ça roule. Je vais jeter un oeil quand même. Ouais. Bon après j'en achète mais je joue rarement, c'est pour collection, je les range, ça me fait une ludothèque. Ouais. Ouais. Toc. Ouais. Bon, j'ai rien qui me botte, désolé. Bon courage, bonne journée. Bon alors premier jet en brocante sur la première brocante, maigre récolte, j'ai récupéré une toile vierge pour un tableau d'une bonne marque, PBO. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard quand je vous ferai des vidéos sur la peinture. Allez go sur la deuxième. Bon, je viens d'arriver à la deuxième brocante. Je n'imaginais pas du tout à cet endroit-là, et en fait elle va être deux fois plus grande que ce que j'imaginais. Ça promet. Ça promet. Voilà, donc je vais trouver une place et feu. C'est parti. Vous les vendez combien? D'accord, très bien, merci. Bonjour. Bonjour. C'est du Duplo ou oui. C'est du, ah non, de l'adaptable? C'est Duplo. D'accord. Vous vendez ça combien? En fait, par Nazar. La ferme, 5 euros. Ouais. Ok. Le lot complet? Tout? Ouais. 20 euros. Vendu. Ouais, vendu. Ça roule, vous super. J'ai pas de sac malheureusement et j'ai tout laissé à la maison, ouais. Ça se voit pas beaucoup en brocante. C'est top. C'est top, c'est top. Bonjour. Hop, tu vas? Ouais, je t'avais pas reconnu. C'est à toi? Bah oui.
Ouais, ouais, tu les vends combien tes jeux? 3 euros, mais lis un peu. Ah, mais j'ai pas vu, voilà, d'accord. J'ai 2 balles, j'ai pas 3 balles. Merde. Si c'est bon, ouais. Bon, merci, c'est cool. On s'arrangera plus tard. Oui, bah tu parles. Voilà. Bon, super, vendu. Je vais même pas y jouer. C'est que je le laisse sur Xbox. Et tu vois, je me le fais pour collection. Voilà. Merci beaucoup. Je compte win. Je compte win. Bonne vente. Merci. La bise. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Album double Tintin, sympa, 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 à voir. Je vais voir combien la dame le vend là. Il y a du 13 aussi qui est sympa. Ricochet, ouais, cool. Cool, cool. Tintfest. Panthère rose, très sympa. Pour avoir des visuels, pour faire des tableaux peut-être. Barbie, un peu moins. Dargo, le gecko blanc. Gecko blanc. Tiny Toons, ouais, ok. Bonjour, excusez-moi, combien vous vendez le Tintin là, s'il vous plaît? Celui-là, normalement, les BD normales, je l'ai fait à 3, donc ouais. Celle-là, je la fais à 6 parce que c'est une double histoire. Ouais, d'accord. Ça ne change pas bien grand-chose. Je vais voir l'éditeur quand même. Qui est l'éditeur? Ah, c'est François Zir, ouais, donc c'est sans moi. Raté. Raté, raté. Bon, bah ok, merci. Bonne journée. Donc ça, c'est du pro, je laisse. Voilà, c'est des mecs qui arrivent à 4h du matin, 5h du mat, qui rachètent avant tout le monde. Pour revendre dans la journée. Des vieux Polaroid, trop cool, toujours Polaroid. Trop sympa. Sympa. Ah, y a un truc sympa là-bas, il y a le Gaston. Deuxième brocante faite avec succès, avec pas mal de trucs achetés, dans le budget que je voulais. Donc, perfect. J'arrive à la troisième brocante, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, je pense que tout ce qui est le plus intéressant a dû partir ce matin. Voilà, on est en début d'après-midi, là. Je pense qu'il n'y a pas énormément de voitures, c'est curieux. Donc, on va voir. Suspense. Déjà, c'est moins rempli que l'année dernière. FIFA.
Bonjour, vous les vendez combien les jeux? D'accord. J'ai pas de monnaie, je vais avoir un. Ouais. Vous avez combien? Je vais regarder, je vous dis ça. Tac. Merci. Voilà, super. Hop, et c'est celui-là. Très bien. Que je voulais. Bien. Parfait. Merci. Je vais regarder. Ouais, super. Bah, je l'ai pas, donc c'est cool. Ah bah d'accord. Allez, je complète ma collection. Oui. Merci, bonne journée. Perfect. Bonjour. Ah, c'est le Pac-Man. Ah, ok. Et il n'y a plus la trappe dessous. C'est raté. Ouais, je comprends. Bah, c'est ce qui se perd en premier, ouais. Ok. Merci, bon courage. Bonjour, vous les vendez combien les Tintins là? Là, c'est la collection complète. Ah, vous la vendez en complète, d'accord. Après, il y en a d'autres à côté. À l'unité. Ouais, ok. Donc, à l'unité, ils sont à combien? Ouais, et la collecte complète? Ok, ça roule. Très bien, c'est noté. Merci. Bien cool ça. C'est l'année 2002. Spirou, un album complet. L'album du journal, ouais. Donc c'est le journal de Spirou. Relié. On en parlera de Spirou dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Donc je vais retourner négocier le skate. Je vais voir si je peux le choper à 3 euros. Ça peut être sympa. Bon, il m'avait dit 5, je peux vous en donner 3 euros. Oui, non, mais il m'a dit que quelqu'un est passé, mais on était ouais. Pas. Ouais, bon bah voilà, bah donc, ça m'évite de le trimballer, donc voilà, c'est le prix que je voulais. Il va finir poncé. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, toc, voilà, super, merci. Merci. Et bah ça aura fait ma journée impeccable. Très bien. Merci, bon courage, au revoir. Allez, me voilà rendu à la maison. Je vais faire un état des lieux de ce que j'ai récupéré en brocante. Ça risque d'être sympa. Alors, j'ai récupéré Shox Extreme Rally. C'est un jeu que je n'avais pas sur PS2. Donc voilà, je l'ai avec le manuel. Donc ça, c'était 1 euro. J'ai eu Mini Ninja sur la Nintendo DS. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu à 2 euros. J'ai cette toile ici en 12F. Donc... bon, le prix c'était 10,86 en prix magasin. Je fais le point, ça veut pas faire le point. Ah, là, si. Voilà. 10,86 en magasin, c'est une toile que j'ai eue, qui est neuve, hein, que je l'ai payé 3 euros. Le plus important, c'était le lot de Lego Duplo. Donc tout le lot, là, je l'ai payé 20 euros. Ça, c'est du caviar pour les enfants. Ça va être génial, j'ai plus qu'à le laver. Il y a un train. Il y a un train, il y a une station service, il y a des petites voitures, il y a du Cars. Il y a du Cars, j'avais même pas vu. Il y a du Cars, il y a un camion de pompier, il y a la ferme. Donc très très belle affaire sur Lego Duplo.
Et j'ai eu ce skateboard que je vais repeindre. Voilà, je vais le poncer. J'en cherchais un depuis un moment. Je l'ai eu à 3 euros. Voilà, je vais le dézinguer, le peindre, l'apprêter et feu. Voilà le lot récupéré aujourd'hui. Trop cool. Nous voici arrivés pour le récap de cette vidéo. C'est une journée excellente en ce qui me concerne sur ces brocantes, sur ces trois brocantes. Je vous fais un récap rapide. Donc 3 euros pour la toile, j'ai 2 euros pour Mini Ninja, j'ai 1 euro pour Shox sur PS2, 20 euros le lot de Lego Duplo et 3 euros le skateboard. Donc j'ai un total de 29 euros investis sur. De toute façon, le lot de Lego Duplo, il arrache tout. Hein. Sur des prix comme ça, c'est béton. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à liker la vidéo et vous abonner au compte du monde de l'Umpy. J'attends vos commentaires. Si vous voulez voir plus de contenu de ce type, faites-le moi savoir parce que les brocantes vont vite s'arrêter vu qu'on va tomber dans les périodes rapidement octobre où ça va cailler là. Donc voilà, je vous garantis pas que ce sera du contenu de ce type là à chaque fois parce que là c'était vraiment exceptionnel de trouver des lots comme ça. Donc voilà, écoutez, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'ai du contenu qui va arriver, j'ai des idées. Hein. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me soutenir, surtout sur les shorts d'ailleurs en ce moment, ça y va plein pot. Et puis voilà, j'échange le plus possible avec ma communauté, vous êtes tous très cool et ça c'est bien top. Allez, à très bientôt. Tchuss, c'était Pierre pour le monde de l'Umpy.